Bueno, sea un semen difícil, porque pensé que el otro equipo trabaja duro, trabaja muy bien para conseguir los objetivos. Nos han dado la semifinal de la CAF, nos han dado la semifinal de la Coupe d'Algérie. El primer match que sea la semifinal de la CAF, malogrado iría a esta situación, no son para jugar el match. Es una situación difícil de gerir porque el equipo ya iría una gran determinación a ver si esta competición. Bien sûr que no son personas y ya la reacción humana a ver si esta situación. No sabemos hacer el esfuerzo de gerir la situación. A maravilla y pedir que esta situación sepa justo, porque no como equipo. No sabemos hacer rien por haber una situación negativa o una sanción. No sabemos ir al match, por jugar al match. Por el stand, y hay una decisión de la CAF. Damos la vista para justo. Por el equipo, por mí, por nosotros, parle de mí, parle de todo el equipo, es una competición tres importante, un objetivo tres importante. Por l'instant, solo hem de pedir que el foc continuï el treball del club, amb les advocats, la FIFA, l'Etat, si tu saps, jo penso que és el nostre droit. Mi assumpte és el nostre droit, és clar, i he pedir ça clar, net, és el nostre droit, i no devem treballar per obtenir una resolució justa. Mon opinió, és ça. Ça és mon opinió, i jo devem mantenir mon opinió així per tot el món. A partir de ça, pour l'instant, il y a le prochain match, le dimanche, à Berkane. Et notre détermination, c'est aller là-bas pour gagner le match et pour jouer la finale de la CAF. Pour l'instant, c'est qu'est-ce que je te pedir. Demain, c'est possible qu'il y ait d'autres situations ou après-demain, une autre situation, mais ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est travailler avec l'équipe pour aller à le prochain match. Yo pienso que decir que a mon avis, una decisión que sepa justo, se justo decir ça, a partir de ça, il faut atendre a saber si cuál la resolución final. Bonsoir, coach. En ce qui concerne le match d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes déçu de cette élimination de la Coupe d'Algérie, et est-ce que aussi vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs? Merci. Bien sûr, pour nous aujourd'hui, c'est un match que nous avons un grand objectif de gagner la Coupe. Et nous sommes l'équipe connaît avant de commencer le match, connaît la difficulté parce que c'est la troisième fois que nous avons joué contre Cervé. Notre équipe connaît très bien la qualité de Cervé. C'est le troisième match de victoire, match nul. Dans les trois matchs contre Cervé. Mais avant de commencer le match, c'est qu'on que se peut perdre ou se peut gagner. C'est un match difficile. Mais bien sûr que notre objectif, c'est gagner des trophées. Cette semaine, comme déjà bien expliqué, nous sommes dans la demi-finale de la CAF, de finale de la Coupe. Et aujourd'hui, l'élimination, c'est dur d'accepter. L'élimination, c'est dans le football, c'est les pénaltys. Dans les pénaltys, tout c'est possible. C'est la vérité que c'est une situation que j'ai vécu aussi. J'ai vécu aussi des fois la situation des pénaltys. Jamais tu connais ce qui va passer. Malheureusement, aujourd'hui, si nous ne sommes pas tirés bien les pénaltys, Servi a gagné. Il faut accepter, toujours dans le football, il faut donner la félicitation à qui a gagné dans le terrain. Accepter, et nous devons savoir gérer la situation dans l'équipe pour continuer, parce que nous sommes une équipe avec une mentalité forte. Nous devons continuer le travail d'ici à la finale de la saison, parce que ce qu'il y a d'ici à la finale de la saison, nous devons jouer à le maximum pour gagner tous les matchs. Ok. Je ne sais pas.
parce que si j'ai dit ça, j'ai c'est comme utiliser une excuse, je ne vais pas utiliser les excuses. J'ai déjà dit avant que c'est une situation difficile et que pour l'instant nous devons savoir qu'est-ce qu'il y a dans la CAF, FIFA, TAS ou tout ça. Je ne sais pas, je ne suis pas le responsable. Je ne sais pas, bien sûr, moi comme entraîneur de USMA, j'attends une résolution positive et juste parce que pour nous, nous sommes une équipe de football qui voulait, nous voulons jouer, nous voulons gagner des trophées et avoir la possibilité de gagner des trophées dans le terrain. Merci beaucoup, bonne nuit, Socrate.